Et bien bonjour tout le monde, aujourd'hui je fais une petite vidéo rapide pour faire des remerciements, voilà. Parce que peut-être que je le dis pas assez souvent sur Facebook ou autre, mais bon, j'ai des remerciements à faire. Alors, rien que déjà par rapport à ce véhicule qui est une petite perle rare, et c'est grâce à un abonné sur YouTube qui m'a permis de trouver ce véhicule que je cherchais depuis plus d'un an maintenant. Et c'est grâce à lui que j'ai réussi à l'avoir. Mais bon, ça en fin de vidéo, je vais vous en parler si ça vous intéresse par rapport à ce véhicule, et quand est-ce que je vais le mettre en place, etc. Les options, le prix que j'ai payé, etc. J'ai des remerciements par rapport, maintenant ça va faire 2 ans que j'ai ouvert ma chaîne YouTube. J'ai des remerciements par rapport aux abonnés hein, qui se sont abonnés volontairement. J'ai jamais demandé à ce qu'on s'abonne sur ma chaîne, mais voilà, maintenant on est à 2200 abonnés sur ma chaîne YouTube. Franchement, je vous dis à tous merci par rapport à ça. Et aussi, je voudrais dire un gros merci à Anne qui m'a poussé au cul justement à ouvrir ma chaîne YouTube et à ouvrir Facebook. Hein, parce que c'est grâce à elle que j'ai fait cet effort, parce que au début je voulais vraiment pas le faire, hein. Faut savoir qu'au tout départ j'étais pas du tout motivé, parce que je suis pas youtubeur, je suis pas là, j'ai géré une page Facebook, je pensais pas pouvoir le faire, etc. C'est quand même grâce à elle, hein, qu'il faut savoir que maintenant on a 2200 abonnés sur YouTube, on a 1800 abonnés sur Facebook, donc 1800 propriétaires ou dans lequel ben on aide, on s'entraide, on se conseille, etc. J'aimerais aussi remercier les modérateurs qui gèrent ce groupe Facebook, faut le savoir, hein, donc Platon et François, hein, c'est des mecs qui sont vraiment au top, il faut le savoir, parce que ils gèrent des situations où dans lequel il peut y avoir des crises par rapport à des propriétaires entre deux propriétaires, etc. Et ils blacklistent des publications qui ne devraient pas apparaître, etc. Il y a plein de situations où dans lesquelles, ben, sans eux, la page Facebook ne vivrait pas aussi bien. J'aimerais aussi remercier les amis, entre parenthèses, entre nous, ou dans lesquels ben, au fil du temps, on s'est fait des amis. Hein. Donc j'espère ne pas oublier quelques-uns. Par exemple, j'ai Jade, Thomas, Benoît, alors je donne que les prénoms. Il y a Omar, il y a Sarah, il y a Fad, il y a Antoine, Michael, Pascal, Tiffany, Bruno, Geneviève, Sébastien qui participe énormément sur Facebook, ou dans lequel et ben ils sont réguliers et qu'ils aident aussi gracieusement les gens à se lancer sur Gatorint, hein, il faut savoir. J'aimerais aussi remercier ceux qui au quotidien se parlent entre nous, voilà, on a un petit groupe entre nous où dans lequel on discute, où on s'en donne des vraies infos par rapport à Gatorint, par rapport au prix, voilà, et qu'on sait exactement ce qui se passe, les vrais chiffres, surtout les vrais chiffres, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on des rapports de Gatorint qui nous donnent, mais qui ne correspondent pas du tout à la triste réalité de ce qu'on vit. Hein. Voilà, j'aimerais remercier tous ces membres-là. J'aimerais remercier aussi ceux qui m'ont soutenu par rapport à mon problème que j'ai eu de santé, entre parenthèses, pour ceux qui sont au courant. J'avais un petit problème de santé, bon, ça n'a pas duré très longtemps, mais ça a duré 10 jours, dans lequel ben, je ne pouvais plus parler, dans lequel j'avais une paralysie faciale, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ben voilà. Donc je remercie tous ceux qui m'ont soutenu là-dessus, comme François, Mika, etc., avec qui je correspond assez souvent sur Messenger, hein, voilà. Donc je remercie beaucoup par rapport à eux. Maintenant, nous allons parler vite fait de cette voiture. Alors c'est un abonné, hein, qui m'a aidé à trouver ce véhicule. Alors un abonné qui grâce à moi, on va entre parenthèses, et ben il s'est lancé aussi sur Gatorint et qui fonctionne très bien maintenant. Lui il fonctionne très bien aussi, et je suis très content pour lui, qui s'appelle Mika. Voilà, donc pour ceux qui le connaissent sur Facebook, c'est grâce à lui que j'ai trouvé cette voiture. Je cherchais justement une grande Scénic 7 places, automatique, qui est très rare, et en plus celle-ci elle est full option. Voilà, celle-ci, il y a toutes les options qu'on peut avoir sur une Scénic 3. C'est l'édition Boss, hein, faut le savoir, c'est l'édition Boss, on peut le voir là. Elle a les jantes en alu, elle a vraiment tout. Et en plus, l'avantage qu'il y a, c'est que le véhicule, bah, je l'ai payé vraiment pas cher. Franchement, je suis super content, parce que à ce prix-là, ça n'existe pas. Voilà, c'est grâce à ma petite chaîne YouTube que je puisse me trouver cette voiture. Et faut savoir que cette voiture, je l'ai payée donc exactement 7 500 €. Mais il y a des petits travaux à faire dessus. Voilà. Donc si vous voulez, bah, je vous le montre. Par exemple, hop, là ici, vous voyez. Bon, c'est pas grand chose, hein, mais bon, vous voyez, voilà, ici c'est abîmé. Donc ça, je vais le refaire par mon carrossier avant de la mettre en location. Il y a aussi, là, vous voyez, le coffre qui a été abîmé, ici. Bon,
c'est pas grand chose, mais bon, ça je vais le faire faire aussi par mon carrossier. Et là, ici, je sais qu'il y a un petit pet ici, ce côté de la portière, mais bon, c'est pas méchant, ça je sais pas si je vais le faire ou pas. Et je sais qu'il y a le pare-choc avant droit qui est ici, comme vous pouvez le voir, qui est abîmé. Voilà, ici. Donc ça, je vais le faire refaire par rapport à mon petit carrossier. Donc s'il est sur ma chaîne YouTube, il va savoir que je vais bientôt lui amener la voiture. Voilà, dès que j'ai les sous. Bah, dès que j'aurai réussi à revendre la C3 que Gatorrent m'ont bloqué là, dès que je vais avec cet argent refaire le nécessaire. Et vous voyez aussi que le siège ici, ça c'est une maladie sur les scéniques, que le siège il est tout complètement ici abîmé. Voilà, donc ça je vais le faire faire en sellerie, le faire réparer avant de mettre le véhicule en location. Après, comme vous pouvez le voir, c'est un véhicule qui a vraiment toutes les options. Voilà, elle a même le truc anti-franchissement des lignes ici. On a aussi dans les options, bah, toutes les options de base, donc le bizone, le GPS, radar de recul avant et arrière, et en plus caméra de recul. Elle a le toit ouvrant, ici, paranomique. Alors, elle a l'avant, mais il faut savoir qu'elle a aussi l'arrière. Et ça, c'est une option. Une option à 1 200 €. Voilà. Une option que l'ancien propriétaire avait pris, et c'est une option à 1 200 balles. Et il a, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a tout, vraiment toutes les options. Là, il y a tout, voilà, sur cette voiture. Elle a un caisson de basse, hein, qui est caché là, un gros caisson de basse. Parce que c'est addition Boss, Sono, énergie, je sais pas quoi, là, ici, là. Voilà, donc il y a une bonne Sono, franchement, elle est vraiment excellente. Et voilà, quoi, donc je sais pas quoi dire de plus. Elle est ouvrante aussi, là, le toit, il est ouvrant. Vous savez, on peut ouvrir, machin, etc. Non, franchement, c'est une très belle voiture, c'est une très bonne affaire. À 7 500 €, franchement, je pouvais pas trouver mieux. Faut savoir que trouver une voiture comme celle-ci qui a actuellement, elle a 125 000 km, vous voyez? Elle a 125 000 km. Donc, trouver une voiture comme ça avec 125 000 km à 7 500 €, bon, avec les petits défauts que je vous ai montrés, ça n'existe pas hein, sur le bon coin. Hein. En général, on les trouve dans les 10 000, voire 11 000 euros. Mais bon, voilà, comme quoi, bah, dans la vie. Il faut savoir, comme je le dis souvent, comme dans la vie, il faut savoir donner pour mieux recevoir. Ben là, voilà, ben moi, le fait que j'aide énormément de personnes, actuellement, je suis à 180 personnes à avoir aidé à se lancer sur Gatorrent. Il faut savoir que 180 personnes, c'est quand même énorme à se lancer sur la plateforme Gatorrent. Eh oui, cette année 2023, 180 personnes j'ai aidé à se lancer sur cette plateforme. Et il y en a beaucoup qui ont réussi. Il y en a d'autres, malheureusement, qui n'ont pas réussi à se lancer correctement. Ils ont fait un peu n'importe quoi. Mais bon, ce n'est pas de mon ressort en pensant que eux, ben voilà, c'était la meilleure idée. Mais en fin de compte, ben, ils ont plongé. J'y peux rien. Mais voilà, en tout cas, comme je le dis souvent, il faut savoir donner pour mieux recevoir. Voilà. Et là, bah, cette voiture-là, bah, c'est grâce à un abonné. Et je lui dis un gros merci que grâce à lui, bah, j'ai réussi à trouver la voiture rare que je voulais depuis un bon paquet de temps. Voilà, je voulais cette voiture depuis un certain temps. Une automatique 7 places. Et voilà, bah, ça y est, j'ai réussi à l'avoir. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.